bonjour. Donc, je m'appelle Nicolas Mendès, je suis enseignant vacataire à l'IUT de Béziers. Donc, je suis professeur de mathématiques et donc j'interviens à l'IUT en tant qu'enseignant. Donc, j'enseigne principalement en culture scientifique. Je suis professeur de mathématiques et donc j'interviens en tant que professeur d'une matière scientifique. Donc, on va dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect mathématique, mais aussi l'aspect plutôt physique. Donc le fonctionnement de mes enseignements se repose principalement sur des TD et des TP appliqués donc soit à l'audiovisuel, soit à l'image, soit directement au son. L'idée c'est de répondre à un ensemble de questions souvent interfacées avec l'aide d'un ordinateur pour faire une analyse de spectre, un traitement d'image, etc. Alors les prérequis, on essaye d'être le plus généraliste possible. Il faut déjà essayer d'être le plus ouvert possible à ce qui est enseigné. Les prérequis sont souvent nécessaires, sont rappelés, soit par moi, soit directement dans les énoncés des TP ou des TD. Déjà, j'aime beaucoup intervenir à l'IUT de Béziers pour l'hétérogénéité des étudiants que je rencontre. C'est vrai qu'on retrouve des étudiants qui ont à la fois un profil artistique et à la fois un profil finalement assez scientifique. Et les thèmes d'études, donc la musique par exemple, je fais de la musique donc en tant que hobby, mais ça me permet aussi de rendre un peu plus concrètes les matières que j'enseigne, en particulier les mathématiques.